In what way is the new document called Sectoral Health Strategy going to help the Cameroonian society when majority of the citizens are unable to afford drugs, the hospitals void of machines and equipment, the pharmacy hardly in possessions of drugs, and personnel corrupt and rude? These questions have to be answered. The Minister of Public Health, from every indication, might be convinced that coming out with the document would help solve the health problem of the country. Le secteur de la santé s'est doté d'un nouveau document de pilotage stratégique qu'on appelle stratégie sectorielle de santé qui couvre la période 2016-2027. C'est un document donc qui a toutes les orientations et qui indique aux acteurs de mise en œuvre des interventions de santé ce qui va être fait dans le secteur au cours des 12 prochaines années. It is even more shocking to see that the Minister of Public Health and his team will spend time organizing workshops just to make actors to understand that such documents exist and they should know how to use them. For many years, the numerous workshops have yielded no fruits. L'objectif de cet atelier est d'amener les acteurs de mise en œuvre de cette stratégie, les bénéficiaires des interventions de santé qui sont les représentants de la communauté, à connaître que ces documents existent, à comprendre leur utilité et à se les approprier. Voilà donc, si vous voulez, l'objectif de cet atelier de planification, d'élaboration des plans de développement sanitaire des districts de santé à Garo. No one will deny the fact that during end of year, such workshops are multiplied in order that the next budget should be swallowed.